Spécialement pour les médecins, les amours. Pour qu'une voix cassée des hommes. C'est pas ça, Max? Le ciel est triste et sombre, vu que tu t'en es allé, mon amour. Il a perdu son bleu, et celui que nous avions tant aimé. À penser, il semble que si tu ne me reviens pas, au jour le jour, je ne vivrai que pour verser des larmes. Si seulement un matin, à ton retour, au mon sublime, retrouverai ce bleu que nous avions tant aimé. À penser, il semble que nous serions heureux. Au jour le jour, je ne vivrai que pour chanter la joie. Il semble que nous serions en ce moment. Au jour le jour, je ne vivrai que pour chanter la joie. Je veux chanter pour toi, je veux chanter pour toi, Caroline, Caroline. Je veux chanter pour toi, je veux chanter pour toi, Caroline. Amis du Tite-Écran, bonsoir. On se retrouve pour notre rendez-vous de Télécajou US pour nous faire un petit parcours avec les monuments de la musique haïtienne. Et bon, aujourd'hui, on va vous présenter quelqu'un qui se passe de présentation. Je ne sais pas, elle avec toute Châtelet. Il s'agit de la personne de M. Jean-Michel Saint-Victor, connu internationalement sous le nom de Zouzoul comme chanteur vocaliste international. Bon, Zouzoul, mon frère de combat, bonsoir. Bonsoir Didi. Je salue d'une façon spéciale les téléspectateurs de Télécajou. Et j'espère que nous allons passer un très très bon moment ensemble. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bon. C'est pourquoi mon chat veut participer. Ouais, bon, le chat, c'est d'accord, le chat. Et bon, ça, c'est pas un gros tissu, là, on parle avec chat ou bien chien. Oui, bien qu'on a tout, bien tout. Bon, écoute, Zouzoul. Moi, qu'on a depuis près de 45 ans, on va parler de Sam Kone. Moi, on livre tambour battant, tambour frappé que mon frère, mon ami, Hervé Célestin, bon, moi, pris bonne référence, nous toute la donne. Mm-hmm. Et qui parlait de parcours musical, nous, tambour frappé, des nombreux livres, quand on bib, ou la donne, bien entendu, ça que la donne, nous me connaissons déjà, en deux ou même. Mais, Gounia, nous, besoin vous, audience, à téléspectateurs, tendez, ouais, expression figure, d'une façon très détendue, nous parle parler de Jean-Michel Saint-Victor, Zouzoul. Donc, pratiquement, Zouzoul, le fils, l'un des enfants du colonel Saint-Victor, et un gros autobré de l'armée haïtienne qui a fait, qui font un parcours militaire extraordinaire, comme militaire, comme commandant, comme administrateur militaire, tout bagay. On connaît que la famille Saint-Victor, que mes grands frères, on connaît bien connaît jusqu'à présent. Je dis comme ça que qui gens l'homme se connaît que pour d'abord, les bons n'ont pas qu'être pour l'accepter que moi-même l'orchestre, le nouveau frère que moi le jazz. Que là, dit, qui, est-ce que j'aime et je veux une information qui gens fait colonel que la famille Saint-Victor accepter Zouzoul et m'bat même dire que j'aime Max c'est qu'on chante tout le et Jean-Max, c'est le frère jumeau de Zouzoul, le cher spectateur. Je vais parler de ça. Et qui j'en fais que l'accepter, Zouzoul l'a fait de jazz. Bon, on commence avec ça. Bon, c'est pas tellement compliqué. Donc, j'ai toujours dit que on est musicien. On est musicien. Hein? C'est pas on est musicien. Bon, parce que
toute ma famille en général, tout le monde connaît, aux zones sonores à la rue Macajou. C'est là où j'ai réellement débuté, parce que ma tante, Mme Duplessis, il y avait ma grande sœur Nicole, qui a passé près de, je ne sais pas, 3 ans, je crois, Académie de musique en Italie, et 2 ans à Paris. Donc, nous tenons un environnement musical. Mais c'était plutôt une autre partie dans la musique, c'est plutôt de la musique classique. Moi, personnellement, je jouais et la guitare classique. Parce que, arrivé, quand j'étais à la rue Elberm, il y avait Camille La Tortue qui fabriquait des guitares classiques en bois de rose. Donc, qui, chaque année que passait sous guitare, il son imbibé. Donc, l'âme de guitare pour un paquet pareil. Et on était obligé d'apprendre solfège, bien entendu, avec Micheline Alancourt, ma soeur aussi. Et puis, mais les affaires bagaille, midi jazz apparaît là. Moi, je sais deux bagailles que, en réalité, je crois que, mais à l'époque, on va prendre un écouté un petit genre. En ballant, puisque on a le compte, on a étudié l'électronique, et puis même Kai Crane, et Julien Crane, il a un diplôme de comptabilité, bookkeeper, and then, bon, même les mêmes apprennent dactylographie, ils sont pas besoin d'eau. C'était plutôt, autant que j'ai été strait en bagaille, c'est pas à faire musique, parce qu'en réalité, nous avons franchi une barrière que, au point de vue, je pourrais dire même société, que les parents, dans le temps, n'acceptaient pas. Hein? Bon, c'était conception par eux, c'était époque. Vous commencez à il faut aller à l'école, il n'y a pas besoin de connaître. Moi, je moi, ah non, comme composer dans le PCB, etc. Et puis, en fin de compte, il y a une fois un orchestre qui était les frénétiques. Les frénétiques? Oui. C'était réellement frénétique. Donc, frénétique, là, c'est bien, en plus, c'est bien Edouard Richard, qui était fait partie de lui, qui était bat tambour, mais pas de jouer guitare, non, c'était bat tambour. C'est bien, qui est ça, Didier Gabriel, qui était bat de batterie. Didier Gabriel et Gymnasium? Oui! Oh, oh! Ben oui! C'est bien Daddy George, okay, qui était joué guitare. Qui est ça, quoi? C'est bien... On ne m'a pas rappelé, non, tout monsieur, côté joueur. Mais la réalité, c'était plutôt. En général, c'était de quel quartier. Donc, de quel quartier parle-t-on? Qui quartier ça? Parce que les frénétiques et Didier Gabriel, et Babiol. Et Daddy, etc. Babiol. 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 Babiol, ok. Oui. Alors, dans Babiol, là, bien entendu, nous t'ai gagné. Donc, Zouzou, les frénétiques, c'était un orchestre de quartier dans Babiol, et ça, alors, ça me dit, mais en plus, ça me dit, mais dans les frénétiques, hein, c'est que Jean-Marc, mon frère, il chantait avec moi. Mais nous, chaque, nous, campions dans le coin devant Jazza. Mais ça qui était plus important, c'est que nous n'avons pas de microphone. On s'était chanté sans le microphone. Ah bon? Ah oui. Et c'est là qu'on reconnaît réellement la valeur d'un chanteur. Parce que pour nous faire un peu de séparation de gens, nous. Parce qu'on est obligé d'aller. Même ça, on est obligé d'apprendre à chanter. Vous comprenez? Bon. Nous n'allons pas tomber dans les. Tout d'aujourd'hui, parce que il y a le thème de la voix, il y a bien ça, les puissances vocales, donc il range qu'on a chanté. La projection va comme ça. Bon, donc la réalité, c'est pour me démontrer. Alors, ça me fait une petite parenthèse parce que c'était moi-même avec Jean-Max, mais nous, chacun campé, on côté, mais nous, pas un microphone. On imagine, on balle plein monde, et pour chanter sans microphone. Donc, musicien fait brûler et tout. On voit? Donc là, ça, aucun pas bien tout.
battant que l'on ouais ou bien ou hier quand c'était plutôt mais laisse à qui l'a joué de gagner sous le sang ah okay. On est pas ben, certainement longtemps si j'ai 74 maintenant donc ça date de peut-être 50 ans de ça puisque nous avons joué dans grand monde t'es en vingtaine oui oui sauf les des grand monde ok. Parce que même actuellement, je ne suis pas moi, je suis pas grand monde. Je suis pas donc, moi-même, pas. Je suis toujours jeune. Hein, parce que c'est l'esprit qui doit être jeune. Mais c'est ça, lié. Donc, mais écoute, qui parcourt hein, ce sont pas parcours d'amusement de quartier seulement que les frénétiques voilà. L'ont fait. Qui le principe là? Je ne pas réellement jouer balle un peu partout. Parce qu'à l'époque, c'était aussi des ibolélés. Il me rappelle mon jour, il voulait le terrain pour jouer un bal, qui était une première orchestre mini-jazz, surtout, il voulait le. Là, nous arrivons, alors, par contre, c'est Ibo Combo, par contre, il voulait le. Sauf qu'il voulait le. Mais il y a une camionnette, ça c'est une camionnette pour un pour instrument. Mais côté de la jouée, on était tout le monde. Bah, j'ai oublié ça. Et puis, camionnette là, qui a monté le monde, non? Mais, musicien, je dis, papa, il n'y a pas pour instrument pour monter dans l'air. Donc, comme nous-mêmes, nous sommes là, nous n'avons pas besoin de paraître. Comment ça va être là? So, nous sommes dans belle là, tout. So, nous tout profiter pour instrument et puis nous jouer. Donc, nous avons parti ça parce que c'était des débuts, mais en réalité, après ça, nous venons peut-être. Parce que nous avons toujours fait partie de chorale. Comprends? Depuis que l'école Saint-Louis, nous avons fait chorale. On prend le choral, et puis un petit monde. Et puis ensuite, on a chanté Kayam. Et comment les. À comment t'es dans la rue, l'homme monte beaucoup Kayam et là. Mais mon petit Jean, mais moi, mon petit Jean, après aller gagner l'essai aussi, ils me font son Alzheimer, ils m'ont fait Alzheimer. On prend. Donc, comme Mme Bayer, même rappelez-moi. Mais vendre nous. Pour aller chanter comme Madame Bayer, là, le femme dit, laisse un jeune garçon. Alors, on est grand pile, on est grand courant, là, il n'y a pas pour rien, vous voyez, parce que c'est belle, si mesdames, là, qui a chanté, etc. Donc, so, vous obligez à le présenter, ou à bailler belle gagane pour mesdames, vous avez gagné, ça te fait partie de lui, tout. Donc, après ça, Dada, qui n'est pas traité, à l'époque, on voit Dada, pas traité trop loin, là, quand même. On était toujours à la répétition, chuchle, en vrai. Répétition, donc, les sociétés comme Tony, Smith, en fait, tout plein de ça. Hein. Et puis, c'est de là que réellement, je lui envie réellement, bon, avant l'idée, peut-être ça, c'est à Smith qui t'a posé des questions, on dit, on m'en fout bien sans calcul. C'était le nom de l'orchestre à l'époque. On m'en fout bien sans calcul. C'était pas les rondons de Delma, mais on m'en fout bien sans calcul. Donc, l'orchestre laisse ça depuis le salon, mais c'est bah, le salon seulement. Ça n'a pas de gars fait dans les clips, bagay. C'est nous qu'on commence à jouer du 5 décembre au 6 janvier. On prend pour les rois. Donc, nous faisons parce qu'on joue parce que chaque jour. Là, ça, on parle des chouchous, là. On parle des chouchous. Oui, là, je suis. On est traversé dans le chouchou. Là, ça, soit t'as fait dans le chouchou, là, ça, originalité, là. Tout à fait, ou t'es qu'on a merdé négo, fait que, ben, comme ça, sorti. Voilà, dès qu'on fait courage, dès qu'on fait courage, dès qu'on, gagne des fois, si un musicien ou est, soit bébé ou bébé, dès qu'on chante tout. So, ok. Même rappeler, c'est qu'on est pour carnaval. C'est presque moi-même qui t'ai chanté toute balle la nette. Parce que, deux musiciens ont été empêchés, chaque pour raison, par eux. Comprends? Mais il y avait une discipline de fer avec les chouchous. Quand il a fait des lancers, alors, de bonnes sanctions, vous comprenez? Mais là, pour une sanction, alors, ça, j'en dis pas en tête, ils ont pour une sanction, 100 dollars en Haïti. Combien qu'on va toucher ma balle? 5 dollars. Ouais, combien de balles vous jouez pour faire 100 dollars, ça? Donc, c'est ton bagage réellement, bon. Il était venu, pour venir réellement, quand on va dire semi-professionnel, puisque, en réalité, nous pas jamais des orchestres réellement professionnels. On comprend ça un peu là. L'orchestre pas professionnel, l'orchestre a joué, bon. Pour moi-même,
Je pense que pour ce que peut rapporter la musique, nous pas même dans le corps de l'humain. Comprenez? Donc, ça, c'est l'autre sujet que peut-être. Ouais, nous parlons, mais sous ça, t'as la coup, on parle du parcours de Jean-Michel Saint-Victor. So, actuellement, après, ça nous fait. Nous venons faire le cœur spiral. Parce que le cœur spiral, c'était composé de Jean Coulanges, Claude Angel Coulanges, t'es gagné Jean-Max, t'es là dans tout, Carole Payet, hein. T'es gagné des Tibel. Ça, c'était un choral. Un choral. Alors, sans René Gabjoula, que baptisé, comment elle est bon, des chansons folkloriques que nous te chantons en général. Ok. Ça a les racines, que viennent les racines. Mais nous t'es même essayé améliorer. Bon, par contre, ça s'est amélioré parce que pour moi, la musique, c'est sans recherche. Dit. C'est pas un bagaille. C'est le même pépinette. Et puis, c'est ou même, c'est comme ça, moi. Faut toujours même quoi que Dof t'es fait partie de pour aller à la fin parce que de quel Dof parle-t-on? Dof Chancy, ok. Donc comme deux t'es gagné des Dibelgrad, t'es gagné Claude Angel Coulanges, t'es gagné t'es gagné basse. Alors mon chanteur qui t'a chanté, qui te faisait la basse, peut-être le monsieur Style Pierre. Ah, ça, t'es gonga, c'est pas joué de temps, mon frère. Vous comprenez? Mais là, ça a conseillé de notre basse. Vous comprenez? Donc, on fait à mesure que n'a pas avancé dans la musique, hein, nous vîmes tomber dans, en réalité, en chuchleux, qui vîmes ni pédi, ni gros bébé, qui vîmes parti. Ok? Bon, ils étaient ici. Écoute-moi, Jouzou, Spiral. Hein? Il faut me rappeler que c'est dans le studio Spiral là, pour enregistrer là. Spiral. Ah bon, ben, ça mange bien, ça, c'est deux concerts. Mais c'est ça. C'est donc, Radio Télé Spiral qui a diffusé ça et au moment que nous avons parlé là. Et c'est où le partenaire, nous avons fait ça. Mais est-ce que ce mec a fait parallèlement et à mouvement Chleu-Chleu qui est censé ou pas l'entrée quoi dans Chleu-Chleu qui va avoir une deuxième Chleu-Chleu? Bon, Chleu-Chleu a lui-même. Même chose, j'ai eu la première réellement plaque, mais Govin et Lyon, c'était en musique 1 et 2, un petit garçon, mais c'est ton plaque qui était que ça coûte. Ouais, c'est lui même Fito le bon te chanter. Oui, voilà. Yeah. La réalité, comme ces deux musiciens, pour des raisons personnelles, ils ont voyagé, ils sont allés aux États-Unis, à New York. Mais voilà que Tony lui-même était déjà là-bas. Tu vois? Tony, Clovis, tout comme ça. Donc, nous venons faire la chleu-chleu, quoi que suite et voir aux photos. Mais toujours dans tout orchestre où même ces footballs ont joué, il toujours des nègres qui sont très taquinants, très taquins, tu vois? Donc, c'était bon, même on a été les Kep. Alors, Kep, là, j'étais tellement des mecs. Comprenez? Avec une photo, ça a suivi le moment dernièrement. La vine, c'est quand vous me donnez au cassé, quand vous me bois. Parce que, si vous voyez vraiment, vous êtes réellement skinny, bon, pas même skinny, même son cap, vous êtes aimé. Alors, il fait pam, cap, c'est Milette. Ouais, c'est mouchou. Je vais vous rappeler, Mounio, que vous mentionnez Smith de droit. Mesdames, Messieurs, spectateurs, on parle de Smith Jean-Baptiste, le fondateur du groupe Chouchou. Ben, c'est là que le jazz a été répété, donc pratiquement que faut nous. Et après, Smith, t'es fait tel bar, faut nous connaître. On parle de Smith Jean-Baptiste. Oui, c'est continuer, ça. C'est ça. Donc, pour la lèvre, vous n'avez pas dit, on était aussi au contrat, d'ailleurs, de et Mike Rodriguez, Casabo Henken. Ok? Nous sommes dans Pit King, c'est là que nous avons joué. Mais à l'époque, orchestre a pâté comme du. C'était un saxophoniste. C'est quelqu'un qui était remplacé Tony, et qui était le Sabrak. Sabrak. Oui, oui, on était connu, monsieur. Oui. Et puis, nous avons gagné un petit Paul Ebé qui était fait voyager avec nous tous pour le tambour. Vous comprenez? Mais à part ça,
c'était tout le musicien Smith, Frankie Léon, Milo, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Tout, Monsieur Sayo, et oui, exactement, qui vient faire voyage pour la vieux Casablancaine. Mais le vrai problème qui s'est posé, c'est que, après notre dernier bal, que nous avons fait dans une zone, où tu as un hôtel ou comme ça, et puis, tout le monde jetait, chercher musicien ou pas la personne. Donc, à l'époque, William Gary, ça, mais à l'époque, Badri, parce que oh, les hommes, je ne sais pas, tout le monde jetait carrément. Tout le monde jetait. Donc, même saxophoniste, je lui même, alors, monsieur, pas de, pas de problème, monsieur, encore, parce que Tony était déjà, nous, yo. Son zélèse a décidé faire les cheveux de New York. Mais nous voilà nous-mêmes que c'est quatre mounes seulement tournés, comme il y a quel petit Paul, qui en réalité c'était difficile. C'est ouais, tambourine, elle est difficile, ya. Yeah. Voilà. Et puis, il y a Dada, Sego, et puis moi-même. Donc, l'un fait Dada, Sego, moi-même, nous dit, ah, monsieur, moi-même, bah, musique, ça, bon. Mais ça, il m'a quitté, mais ça, c'est. Bon. Mais, Dada, Sego, quand Sego, son de qui? Très, très bien, monsieur, toujours. Vous bon, sous la balle, Sego dit, ah, monsieur, n'a pas fait nègre. Il dit, qui nègre? Bon, c'est là, ça. Nous avons fait des recrutements, parmi lesquels, premier, notre mesure essentielle, c'était le saxophone. Mais Loubert, on parle de Sergo Rosenthal, le maestro, voilà, parallèle à Tony Maurice de l'origine à Jeux. Sergo Rosenthal, Sergo. Okay. Donc, Sergo, Koulia, nous venons Loubert, qui était joué dans les gars de Sainte-Cécile à l'époque. Ok? Et nous devons Mario et Tiffer, qui étaient les deux, des cousins de Mario, de Milo Toussaint. Tu vois? Donc, et automatiquement, nous commençons à petit membre. Vous comprenez? Mais c'est Jean-Baptiste, figure Tom-Tom, le monsieur. Oui, Jean-Baptiste. Qui était fait partie des jeans. Alors, en principe, c'est lui qui était poussé sous batterie. Hein. Mais là, nous commençons à nous faire répétition, etc. C'est à la fin, net, nous dit, bon, on a besoin d'autres chanteurs. Parce que j'ai toujours pensé, moi, personnellement, que un seul chanteur dans l'orchestre, pas bon. Tu vois? Parce que c'est pas parce que c'est lui-même qui tout orchestre ça, ou bien on prend qui fait que, non, mais en cas, on a besoin d'autres l'autre chanteur définitivement, même pour faire les chœurs. Parce que l'homme veut mal. On ne peut faire ni chœur, ni chanter. So, il a, ou pas, ou faire trois bagarres à la fois. Vous comprenez? Donc, non, c'est le temps de décider, on te prend, entre, parce que c'est Choubou, qui t'est venu présenter nos Cubanos. Ok? Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, mais Choubou, là, j'ai l'impression, là, on vient à partir, hein, Choubou lui-même, t'es besoin d'aller à New York quand même. So, mais à ce moment-là, Koulia, nous rappelons ça, papa, film son jeu qui date exactement. Les Sakoubano et Choubou viennent essayer la chauffe-fleu. Ok? Donc, moi, personnellement, m'pas capable d'y monter. J'ai opté pour Cubano, peut-être d'autres raisons, hein, parce que, à l'époque, c'est pas Cubano, n'a pas de goût. Donc, bien entendu, il faut s'adapter. Donc, Choubou, lui-même, nous vient prendre, Sergo, t'es décidé, à l'époque, c'est Sergo qui était maestro de l'orchestre. Mais moi-même, j'étais plus en tendance, quand on l'autre chanteur, autre qu'on chanteur qui était dans l'autre orchestre. Tu vois? Parce que, je pensais que, voix, mon nom, c'est identité orchestre, même. C'est quoi? Ou pas, au moins? Elle a dit que, ou pour on est comme, gypsy, ou retirer Max Badet, ou à Baron, on est chanté. Même si Zouzou, de pas chanter. Mais son l'autre, j'aime pas chanter. Mais écoute, mais soudain la décision,
Là, ça, dans le deuxième chouchou, ça, la formation du deuxième chouchou, au sens, c'était bon, ou décomposition presse administrative, est-ce que c'est à cause de séniorité ou, vous êtes? À cause de quoi? Décomposition presse administrative, parce que vous avez choisi, mon, vous avez une décision que, vous êtes obligé de partager opinion avec ce groupe, bah, comme ça. Bon, la décision, non, je suis capable d'avoir une opinion sur le bagage. Mais décision, en général, c'était les maestros qui prennent la décision. Ok. Donc, laisse ça pas qu'à discuter. C'est quand vous avez un diaspora en cours septembre. Et pour ne pas discuter avec Luc, vous ne pouvez pas la donner. Parce que, et pourtant, c'était une autre bonne solution. Jean-Luc l'était dirigé orchestre lui-même. Donc, côté point tropical, là, côté point n'importe qui orchestre, tu vois. Lorsque l'orchestre est manqué, parce qu'il y a deux genres d'orchestre, tout, comme nous ça. Il y a les orchestres, moi, que je considère comme des institutions. Tu vois? J'ai toujours eu l'intention de faire un orchestre pour l'irriter, pour vivre une institution. Et pour faire l'institution, faut gagner une structure en place. Si on peut l'appeler ainsi. Il faut qu'on grosse structure. Alors, tout ça, quand comme dit, on peut discuter ça après. Mais la réalité, quand comme dit, bref, nous vivons en définitive quoi, ben. Où il y a, ok, commencer pour me soyez premier CD, et, enfin, le petit CD, un gros plaque là, et c'était tête chauve. Tête chauve. Pim, bam, 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 pam, pam, pim, pim, pam. Dans son composition, c'est moi-même qui fais parole, lui, etc., ensemble avec Sego. Tête chauve. Dans le pays, je veux ça. Ça faut qu'il y a à faire, oh. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des gros talons, oh. Est-ce que vous comprenez? La mode change. La musique change aussi. Tout, vous comprenez, tout le bagage a changé. Donc, nous venons prendre Koulia, nous commençons à jouer dans mon point. Après ça, nous sortons de balle de salon que nous habitués à faire avec l'ancien chouchou, tu vois. Et puis nous commençons à faire le bagage. Et nous commençons à faire des tournées depuis, au moins, 68, bah, après, exactement. Nous commençons à aller que l'Asso, Guyane, tout côté ça, ce que l'autre chouchou ne faisait pas parce que tout était nouveau. Tu vois? Et pour qu'on ait, à l'époque, tout en question de fonds de résidence, on va carré tout pour avion. Et pour aller, on va continuer. Exactement. Donc, ouais, mais je l'écoute. Bah, ils ont écrit, ils ont discuté. Maintenant, et chouchou ça, ils viennent partir. Ou vin jouen nègre New York et puis ou vin faire Skacha en 74. Non. Alors, Skacha en 74, c'est que quand on fait le premier CD du Skacha d'ailleurs, toute chanson est composée depuis en Haïti. Quoi, la deuxième, je suis. Consolation. Les seules musiques qui ont été ajoutées, c'était une chanson de Louba Chassi qui est. Comment est la musique ça encore mortellement. Avant peut-être moins. Bon, mais tout mon sauté est en fin de fête déjà. Mais voilà que nous t'ai enregistré mon sauté déjà avec Bobby, que nous t'avons fait CD avec. Oui, Bobby Denis. Bobby Denis. Donc, Dada m'a ralenti, dormi. Et Jean-Francis vient chercher Loubert, Tifré et Mario pour former l'autre orchestre. Tu vois? L'autre orchestre, ça, pour aller à New York, parce que, comme nous, plaque, consolation, tape, marché, et musique, là, même, en lui-même. Vous comprenez? Donc, c'était, on demande. C'est ton, quand on dit sur demande générale. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui a encouragé, peut-être, le Skacha, et la percée du Skacha, parce que, toute chanson, ça a été en fait, déjà. C'est la raison pour laquelle, ils ont mis un Skacha, ex-fleu-fleu d'Haïti. Ouais. Ok? Donc, réalité 1, l'un bon, on ne peut pas aller rentrer dans le domaine non, qui est-ce qui choisi non, qui est-ce pas choisi non, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'était la même équipe qui t'a joué sur l'autre. That's it. Tu vois? Mais, c'est ce que je dis. Mais c'est comme ça, mais comme dit. Bon, dame de réalité 1, ils ont fait le très bon morceau après. Comprends? A fait une faux plat à Haïti. Vous comprenez?
So, mais entre temps, moi-même, j'étais toujours en Haïti. Donc, comme c'est plus de moi-même à parler, n'a parlé peut-être de ce cachet après. Kouliano est en Haïti, nous refons l'homme déjà encore. Comment? Que parmi lesquels nous pouvons tirer la Daniel, Alligator, qui sont servis par qui est venu par Jetex après. Exactement. C'est l'essence même avec Tial, bien entendu, et Roger Jean-Baptiste. Parce que moi, je dis Tial, le monsieur, parce que je dis quoi. Je connais monsieur tout petit qui a regardé nous, qui a joué. Vous comprenez? C'est un musicien très, très calé, hein. Monsieur joue bien, monsieur. Monsieur levé dans ma gala tout. Est-ce que vous comprenez, Abdou, là? Donc, n'est-ce pas, vous avez fait, vous avez tout monsieur, ça va partir. OK? Il y a le fait, Jetex, New York, vient ajouter, sous tabou combo, Skacha, le qui était tendance à disparaître, puisque à l'époque, même tabou combo, tout orchestre, ça, c'était des orchestres qui étaient là, mais qui en réalité pas tap marché très bien. Vous comprenez? Parce que c'est un boom exceptionnel, ces mêmes gens. Le la rose une fait ou elle Missile Mandela. Mandela. Je donne la rose. Donc, mais Zouzoul, si on a avancé dans la conversation, nous, on a reconnu ce cachet qui a 45 ans, 42, 55 ans de succès. Et on a la sac, tu me dis ça parce que nous parlons de pause parce que ça qui intéresse là, même on attendait ou même. Je nous fais conversation sans privé tout le temps. À partir de tout parcours, ça, l'expérience que tu as eue, que tu as vécue, à partir de là, nous faisons plusieurs conversations. Regardez ces messieurs là, me dit ces messieurs les plus jeunes, cap bolosé la compas et cap fait ça capable, etc. Parce que deux fois vous mentionnez que j'ai besoin d'insister. Les frénétiques c'était des amis. Cap dit qu'on sait que le tabou gombo était des amis. Loubert Chancy dit comme ça que seul regret gain, le deuxième que je suis allé faire, c'était pas un groupe, il y a eu une amie en dans jazz. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, en général, les orchestres étaient des orchestres de quartier. Exactement. On commande toutes les étapes, tu penses ensemble. C'est-à-dire que l'opéra, les deux, les ceci, les ceux-là, tout orchestre, ça, c'était des orchestres de quartier. C'est-à-dire que l'une était contre l'autre. Même comment qui s'appelle le Jean-Paul Verdi, les grands orchestres, les mambo combo, c'est Jean-Paul Verdi qui est batteur, parce que dans le quartier là, quand même, l'orchestre a fait tout. Donc, à partir de là, orchestres, c'était des orchestres de quartier, ils étaient, bon, on a dit, des amis. Alors, il y a amis et amis, des amis sincères et des amis qui ne sont pas sincères. Tu vois? Ah oui. Donc, la réalité, mais le développement même, tu vois, je ne sais pas si ça pas qu'à Haïti, là, n'est-ce qu'on a répété, à Bukombo, oui. Donc, tout a gossé dans son ville d'autorité, si on comprend, à l'exception de Choubou, qui a dit, moi, personnellement, il était un port-de-pésien égaré dans un genre de pétionvillois. Ça, c'est pas en lui. La seule parole lui-même, tout le monde vite ça, lui, pendant ma parole, avant que vous connaissez. Donc, en réalité, musique, pour moi-même, son bagage qui n'est pas jamais fini. Moi, je fais qui est pas coupé, qui j'en voulais faire, qui pas j'en voulais faire. Mais, pour l'avenir, en réalité, de notre musique, il nous faut beaucoup de choses. Que c'est ça. On a l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais en même temps, tout, quand on a dit tout, mais bah, ça, au bon, qu'elle saute et tout, parce que là, au fond, pour lui, on a son casse-crasé, au fond, l'autre, on a son casse-crasé. Parce que, en réalité, à cette époque, c'est tout, on s'est donc gagné dans la tête, c'est à New York. Oui. C'était la mode. Ouais, alors, en tout cas, comme dit Koubano, New York, si on peut s'habiller, l'on passe en balle. Ouais. En tout cas, je écoute, nous parlons d'un petit pause musical, encore une fois. Et bien, je vais tourner à cause d'expérience que, moi, avec, on ne compte pas les sous-sens. En pile, expérience que,
et acquise parce que qu'on est après un pile bagage. Ah oui. Et on va pas prendre toujours. Oui, c'est ça. Donc on est scacha te grand pile succès et puis le pas qu'a continuer lui échouer et pour qu'a continuer combattre Matabou Gombo 50 ans, 52 ans. Mais tout ça nous pas prêter sous parti le fait ça pas marcher non. Avec expérience pour qu'il en tête après posant même que nous discuter les recommandations appropriées il a peut-être fait n'a quitté là comme moi chiffre dans ça n'a dit là de l'industrie même musicale il dit exactement qu'ils a pour faire pour tiens mais moi même pas les gens ils dit tout et ben justement nous allons parler de ça mais il faut les applaudir quand même puisque oh mais certainement ils ont essayé en tout cas de l'évasion, nous allons discuter, nous allons faire des recommandations. C'est dans ça que nous, dans ça que nous qui vécu. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre Télécajou avec invité d'honneur, l'un des monuments de la musique haïtienne, Jean-Michel Saint-Victor, connu internationalement sous le nom de Zouzou. On vous revient tout de suite. Si vous êtes en train de suivre Télécajou, US, invité d'honneur aujourd'hui, Jean-Michel Saint-Victor, connu internationalement sous le nom de Zouzoul. Et M. Goncar est extraordinaire, ils font croire que nous sommes tant depuis de commencer dans les frénétiques, dans Babiol, et puis il est passé dans Chlechel, il était un choral qui était. Avec Frélie, qui était le spiral, et puis pendant que nous sommes sur Radio et Téléspiral là, coïncidemment,
développement. Et puis donc tout ça, que ce sont des pièces historiques que personne pas jamais connaît. Parce que j'ai un livre qui va qui est tambour frappé et tambour battant, il n'y a pas metté ça là, il n'y a pas de connaître. Ouais, qui parlait de Zouzou, il parlait de Jal, il ne pas parler de ça. Donc cela veut dire que celui qui avait fait les recherches et les informations, il n'y a pas de connaître. Ok, pour nous, là, Zouzou le fait pas pour l'Anskacha qui a 42 à 45 ans de succès. Internationalement, il a monté au dessin et puis ensuite, ils ont essayé de reprendre, mais dans le cœur et bon, dans l'âme, bah, quoi, un Skacha, donc on cherche toujours un Skacha. Mais cependant, les business Skacha, malheureusement, les bagailles, donc soit que les gens font camper. Donc maintenant, nous pas là pour nous parler de ça. Pardon, nous allons parler de Kounyala à cause d'expérience acquise, Zouzoul, nous parler de l'avancement de la musique haïtienne parce que l'industrie musique haïtienne, là, Kounyala, qui recommandation t'a gagné à partir de ça qu'on vécu, ça qu'on vive avec ça qu'a fait Kounyala, et puis comme c'est la bonne connaissance, qui marche à suivre que nous t'a fait? Pour nous t'a boué que, dans quelques années, mon cap de musique Kounyala, si on l'autre vague de pandémie privée, il n'y a pas de problème pour manger parce qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de travail. Ouais, vous voulez m'avoir, quelles sont tes recommandations? Bon. À vrai dire, tu as tout dit en quelque sorte. La réalité, nous avons besoin, quand on dit une structure. Même pas une structure. Elle a dit qu'il faut qu'on soit légalisé. Vous comprenez? Tout le monde faut légaliser. Il faut vivre dans le pays, il faut payer taxes. Il faut payer taxes. Ou on doit payer taxes individuelles, mais on ne peut pas payer taxes pour Diazin. Mon Dieu, pardon, un jour, ARS dit, mais je ne sais pas, je contrôle. Comment ça va passer? Zouzoul, bon tout, sauter sur mon côté là, on parle de l'union des musiciens. Vous sortez ça là, comment ça se fait? Parce qu'un pile musicien, dans plusieurs entrevues, dans plusieurs programmes, je parle de l'union des musiciens. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je ne sais pas par définition. Mais lorsqu'on parle de la musique haïtienne, de l'industrie de la musique haïtienne, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'union des musiciens? Et son bac qui prend aussi, est-ce que c'est un syndicat? En réalité, et nous continuons à tourner autour du pot, parce que je me rappelle que, comment il est, en Sidéos, c'est une intention, quand il y a le monde qui essaie d'ailleurs, Fabrice, tout le monde, vous y êtes bien entendu, c'est que nous avons un problème en Haïti, par contre, si ce n'est pas égoïsme, ou bien si ce n'est pas manque de connaissances, parce que ton manque de connaissances, il y a tout, vous comprenez? Parce que une union, ça a aidé tout le monde, a dit que l'île a pour tout orchestre. Nous-mêmes, nous avons par exemple, ça a été. Dans notre musique, nous parlons de ça, un booking agent. Un bon exemple. Un booking agent. Mais son job oublié. OK? Un manager, son job oublié. Comprenez? C'est-à-dire que force, on a à l'apprendre ça. On va être capable de permettre de faire une balle ou bien faire une émission de télévision de radio. Parce que maintenant, nous sommes envahis par des macarilles ou des pirates. Mais tout le monde vous aide. Vous me dites, c'est-à-dire que ou n'importe où nous faisons radio, il dit ça, je l'ai, pas aucun contrôle, ça l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous êtes à comprendre que, par exemple, vous mettez une station radio ici, tu vois, mais vous censurez, hein? Pas comprendre que vous avez dit n'importe qui bagaille. Vous ne pas comprendre. Vous n'avez pas dit n'importe qui bagaille. Parce que, ma bon exemple simple, c'est même genre dans la pandémie, là. Gombon bagay ko nou pa jam konnen nou menm. Et pourtant yo te konnen yo menm. Me radil. Ouais, ça entre les mêmes au point de vue politique, certains petits problèmes en parti tel bagay, parti tel bagay. Moi même pas dans parti, personne parti, on est parti du monde en général. Me fait partie du monde, me fait partie de tout le monde quoi, de tout le monde et pour tout le monde vivre, pour tout le monde manger. Et c'est un seul moyen que l'on a, ou peut-être deux ou trois moyens. C'est à travers la musique, on peut faire beaucoup de choses. Parce que si on prêche l'amour, son goût bagaille. Pour moi, alors m'a parlé sentimentalement. Pour moi-même, c'est pas beau. Personnellement, parce que pour moi, c'est Dieu qui est amour. Amour, c'est mon Dieu qui est amour.
Parce que soit prêcher l'autre bagaille, ou prêcher le mal, on va voir le mal là quand même. On va voir le mal, mais vous l'écoute. Pas éloigné de et recommandations scientifiques que n'a parlé là. Eh bien, ok. Oui, ok. Il ne va éloigner trop, comme on dit. Mais c'est quand on a dit, c'est pour montrer que la réalité, il nous faut beaucoup de sacrifices pour vivre avec ça. Donc, parce qu'en général, on vit tellement que nous parlons de structure mal organisée, que les vignes constituées, on sort de sauve qui peut. Dégage au jour où on est, moi-même, je vais dégager, je vais moi. Vous comprenez? Mais il n'y a pas besoin de prendre une valeur qui s'est réellement apportée dans la musique. Là, et tout ensemble. C'est même genre nous avons gagné notre indépendance, mais à quel prix? À quel prix que tout le monde est là ensemble? Parce que c'est pourquoi moi-même, je composais au compte de la forme de pandémie en fond, un petit bail pour moi, parce que il y a Chita et ça, ça vous fait. Chita fait une musique, ouais. Vous comprenez ma douleur? Avec mon bail, moi-même, un peu de football, que bon, on a commencé à jouer. Donc, il nous faut arriver, parce que moi, ça fait Martinique, là, comme tu l'as précisé là, tout à l'heure, c'est que musicien, quand on ne doit pas jouer, mais l'a touché. Qu'il est d'après ça, mais je suis d'après ça, me connaît. Si œuvre musicale haïtienne est enregistrée, par exemple, à la Société des auteurs et des éditeurs de musique à la SACEM, à Paris, par la SACEM, à cause de la pandémie, là, on sort de ça, quand vous faites ici, on sort de. On sort de. Injecté, on t'y cope. Injecté, on t'y bagarre, pas tout pour qui m'ambio. Donc, j'ai l'impression. On est là, ça qui passe, qu'on y a d'après ça qu'on est, d'après ça que ou assister, d'après les erreurs commises dans le temps. Parce que tout le monde a qui ça qu'on fait pour remédier à une des situations pour musique haïtienne, t'as remonté au point de vue quand on business, quand on science. Bon, comme je reprends encore, je disais, moi personnellement, c'est ce que je pense. Du moment que pas gagné, ça a les unions. Je ne suis pas dans la musique seulement. Non. Haïti, pour sauver Haïti même, c'est beau. Faut qu'on union. Nous pas qu'à chaque monde voulait faire affaire par eux. Bon, ben, ça va pas parler à ça. Et des fois, avec tes amis, ils sont tombés dans le compte. Tandis que si on t'entend mieux, ils étaient quand même, ils t'appellent tout le monde. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et c'est une question de, le plus souvent, de vision aussi. Parce que, vision, c'est pas lui même que Joseph Gagné, ou bien Antoine, ou bien André, j'évite de citer des noms, mais c'est ça lié. Comprends? Donc, les vignes plus dans tendance qu'il y a actuellement de sauve qui dégage aux gens. Ouais, Yannick fait un bagaille dans la télévision qu'il y a même, bon, tellement gagné, m'a même monde qui laisse me garder. Vous comprenez? Donc, même point de vue professionnel, bon, bon, moi, quand ça veut, mais son bail est différent. Ils sont complètement en deux, là. Ils ont les veulent. Parce que tout le bagage, ils les veulent. Hein. Faut pas oublier ça. Même là, le football, il y a première, deuxième, troisième catégorie. So, moi-même, une catégorie que nous, tous, musiciens général, un homme qui était musicien, c'est ça, l'a cherché. Essayer, je ne sais pas si je m'emploie le vrai mot, crossover. Et crossover, c'est à l'aide de l'union seulement qu'on a fait. Pour moi-même. Alors peut-être qu'il y a différent pour l'autre monde. Vous comprenez? Parce que c'est du moment que nègre, c'est peut-être pas vraiment loin, bon, ou tomber dans la mer parce que on n'a pas gagné le faire, c'est peut-être pas lui qu'on est. Vous comprenez? Bon, Zouzoul, vous avez participé là à Haïti Troubadour. Oui, oui. Et le grand mouvement de Fabrice Cousier de Keke Veliseur, côté que nous t'es entré dans l'autre type de musique que vous montrez talent déjà, parce que là nous parlons d'autre bagage que là, dans PNP, vous chantez toute sa musique que jazz a formé. Donc, nous ne pas parler de talent là, vous n'en avez pas les deux cognons là. Vous avez deux groupes de musiciens. Quand vous avez deux Haïti, vous avez l'Haïti de la diaspora et puis l'Haïti d'Haïti. Oui. Même qui j'ai pour jumeler Union, qui est musicien ça, à partir de Union ça, pour mentionner plusieurs fois. Parce que les musiciens d'Haïti, c'est en Haïti où on a les musiciens de la diaspora.
qui genre qui vient pour t'amener ensemble là par exemple parce que est-ce que son tout a un commencement. C'est comme si ou actuellement me fait sauter un voyage avec Robert Dela, Robert Martino, Chris Basile, t'es gagné Max Badet, et puis Dieu nous la rose, parfait. Ok. Mais là jouer, là jouer, un musicien ça le fait. C'est pays là le représenter. C'est vrai. C'est pays là le représenter. Ma pas représenter pays dans sa ma bouée. Or ou pas gagné au point de vue, on doit dire gouvernemental. Ou pas aucun help, car ça était subventionné par la Air France. Mais on n'a pas de payer ticket. Mais là, par exemple, pour, parce que ça a rappelé, moi, parce que m'était abgadé, par exemple, pourquoi que, m'a cité non, au monde qui, moi, qui fait un peu l'effort dans le mouvement, mais à lui seul, il n'est pas capable tout autant de pas gagner. Ça, ouais, m'a pas l'air. Parce que, l'organe, ou vous cherchez un orchestre pour faire un festival en Martinique. Ou bien 100 tickets avion à payer. Mettons à $600. À $600. Mais ça te fait $60,000, hein? $60,000 euros. Mm. Hein? Qui, c'est pas un monde qui, que même les orchestres auraient pu organiser, bien entendu, ou a toujours un monde qui sponsor ou, on comprend ça, Madoulin, mais que faire de cet argent? C'est là le hic. Le hic, c'est que faire de cet argent? En fait, parce qu'il y a un cap de, ah, mon cher, même bon, tout comme. Est-ce que vous comprenez? So, automatiquement, il n'y a pas, next, ça n'a pas venu même vision avec. Parce que, côté quand on doit, ouais, t'as le conseil à me dire, c'est blague, ou à blaguer, ou à faire ceci, ou à faire ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est où t'es une vision dans ce que t'as fait. Pour arriver. Ça que fait ça. Tel ça côté. Fait, ça que fait différence, bon, ça. Il faut mettre le tout bon. Il est tout bagage. L'éducation, degré d'instruction, il est tout sous capable. Parce que, réalité, moi-même toujours dis, tout le monde c'est monde. Est-ce que vous comprenez? Mais, dans toute bagage, ils vont level. Ils vont level. Si, ou pas, un monde qui pas préparé pour certains changements, automatiquement, on va tomber dans l'abîme. Parce que on n'a pas préparé pour ça. Vous comprenez? Il agit par émotion. Musiciens en général sont monde qui est très émotif. Vous comprenez? Mais ça veut dire que c'est pas une union qui est facile parce que, là, on a tout est. Mon cher, rien n'est facile. Parce que, bon, même social. Bon, qui t'a dit qu'il y a un tombé dans la pandémie, a dit que, n'est-ce pas, qui va le perdre, perdre madame, perdre petit, perdre tout le bagage. So, il faut apprendre à vivre d'une autre façon. Mm-hmm. Est-ce qu'on pense à Mangola? Il faut apprendre à vivre d'une autre façon. Et c'est une, dans, que ça vient que nous toujours préférer ça, c'est, union, parce que les musiciens en Martinique, ils ont un petit cob, mais même si c'est pas un gros cob, ben les deux. Ils se comprennent. Et c'est même côté, bon, c'est nous qui apprenons à jouer musique. Bon, c'est nous qui faisons musique ensemble avec eux. On comprend? Bon, nous même, mais eux dépassés, nous, dans ce sens. On comprend? Mais c'est pas musique que a joué à qui, puis bon, bah, c'est pas là, non? Nous, avons toujours une tendance à comparer musique à musique. Moi-même, musique, je pas comparer musique. Chaque monde joue bagaille par où. Est-ce que vous comprenez? Son senti feeling dans la musique, son feeling lié. C'est pourquoi, quand il y a un musicien en particulier, on doit dire, par exemple, quelqu'un qui joue, par exemple, un saxophone ou une trompette. Mais André Desjans, par exemple, comme un exemple, comme un ancien. André, c'est gens jouer, c'est feeling, il est ça le senti, le là, vous êtes trompé là. Mon pas qu'à un autre nègre, vous le même genre avec eux. C'est impossible, puisque pas de gens, même phrase, bagaille, au même genre. Ou pas ça que sauf faune, côté pour tiger, ou pas qu'à prendre deux tiger, là. Il y a qu'un seul tiger, il y a qu'un seul loup, ben, au moins, il y a qu'un seul, n'importe qui ça, n'importe qui musicien qui a joué, son seul qui vient là-dedans. Alors, j'ai toujours dit, alors, que le travail d'équipe, maintenant,
c'est la capacité de travailler ensemble, mais vers un but commun. Alors c'est ça que travaille l'équipe. Là. La travail équipe, c'est ça qui est important. Parce que sans lui-même, bon, on va nous négliger. Ça, et puis d'ailleurs, ça veut dire réussir. Bon, 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 un musicien ici qui est multimillionnaire. Rien. Comprenez? Il fait CD ou, il fait tout le bagage, ou on doit avoir même pour musicien pareil ou, à copier CD dans l'autre pays pour lui nous vendre. Ou est-ce que vous avez comment il est encore, mon cap vendre? Cap vendre et CD. Le bail bootleg, hein? Hein? Il n'a pas existé. Yeah. C'est eux-mêmes qui. C'est mon bail qui détruit. Avec l'évolution de la musique, oui, hein? Ou avoir au fur et à mesure des moins musiciens qui sont inspirés. Parce que pour jouer musique, il faut inspirer, oui. Il faut inspirer pour jouer musique. C'est pour un bagage au baou, ça, non, c'est mon Dieu baou. Comme moi, j'ai toujours dit, il n'y a que celui qui a du roseau. Si il a du roseau, pas de bon ou compagnie direct, qui s'en a pas joué? Hein? Sinon, mon pas de compagnie direct, qui s'en a pas joué? Non, mais je pense que son problème social, son problème social et économique. Son problème social et économique. Parce que regardez, mon, à cause de formation, il n'y a pas contre qui j'ai pour faire travail d'équipe. Regardez, mon, tout c'est parce que, yo, parce que, il y a un petit problème pour yo, faut manger. Donc, ça fait que, ils viennent entrer, ils font pirate, ils copient bagay, ils peuvent vendre, pour qu'ils survivent. On prend d'action bagay socio-économique, là, milieu que nous vivons là, qui réellement vient une épidémie, la musique, l'affaire de développement de la musique haïtienne. Vous avez demandé? Ben, justement, justement, c'est de ça que nous avons parlé même. Donc, réalité, hein. Quand on me dit, moi-même, j'étais avec même bagaille, hein, c'est que tout autant que nous parlons union de musiciens, pour qui ça tout le monde gagne, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné. C'est même gens, tout le monde gagne pays, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné pays. Nous n'avons pas gagné pays, non? Non. Par contre, c'est ça que je ne fais pas faire politique, parce que moi, je dis des choses, que nous n'avons pas gagné pays, qui paye là. Si on est capable de prendre un pays, comme les États-Unis, qui t'a supposé première puissance du monde, quand problème corona bay. Hein? Comment on va résoudre problème corona ça la caillou? Hein? On pas capable. C'est pas vous pas capable, non, ou capable, mais c'est tout le monde mettez main dans la pâte. Parce que du moment qu'on gagne, ah, nek ça son timilat, nek ça c'est on nek doit, nek ça c'est ou pas la donne. Pas la donne, parce qu'il faut s'unir, parce que on fait musique même qui dit des salinas que tu ont fait la paix. Comprends? Donc ouais, dans qui époque 1804. Mais si on pas fait la paix, il y a pas d'ambition faire blanc français à faire ou bien non. Faut une prise de conscience, ça relé. Alors nous vignes, ça relé. C'est pas une idéologie, non. On doit régler ça, une conscience que nous pas gagné. Nous avons conscience que nous pas gagné. Parce que vous comprenez? Parce que tout nègre, ouais, tête pas seulement. Mais tête pas, là, ça le côté de même, non. Tandis que si c'était tout le monde ensemble, là, ça nous a fait plus comme. Est-ce que vous comprenez? Si nous tous ensemble, on a fait plus comme. Mais qu'il y a au fur et à mesure, ou après que, actuellement, en Haïti, la vie est plus difficile, puisque, actuellement, nous avons plus que 5000 orchestres. D'après moi. Vous comprenez? Et parmi ces orchestres, à peine si les plus justes sont sauvés. Pour capable de prendre une décision, pour en réalité, arriver à une sorte de, je connais le consortium, je connais arriver de, justement, ça n'a pas l'air, une union, mon cher, il faut mettre des gens. Parce que moi, je suis toujours au principe tout. Alors, je suis capable peut-être, je suis toujours pensé que, il faut être dirigé. Un gros orchestre, un gros compagnie ici. Pas vrai? Mais un gros CEO. Eh ben, même un gros CEO. Il y a un manager, c'est ça qu'il faut. Même un McDonald's qui finit pour un fil déjà. Ou quand on doit avoir un McDonald's, pas mal, il va mettre under new management.
OK, on donne you manage maintenant, ça veut dire que you pas satisfait avec ça manager ça était là mais pour on donne you manage maintenant. C'est est-ce que moi l'autre jour me te poser une question, dis monsieur bon, dis-moi combien de clubs haïtiens qui est vivant. Hein? Même pas pour business haïtien tout. Hein? Ben, si pas gain un club orchestre pas gain orchestre non. Vous comprenez? Or, Koulia, c'est un mal qui font bien. Ouais, tout le monde qui a fait barrer dans la télévision. Il était là, mais nous pas jamais utilisé. Est-ce que vous avez dit? Il était là, mais nous pas jamais utilisé. Bon, je me demande maintenant, est-ce que le rentable? Bon, il y a façon pour faire. Il y a façon pour faire. Bon, ou vous avez un CD, CD pas fait encore. Puisque même dans les voitures, maintenant, il y a plus. C'est USB. USB. C'est des players, pas ouais, ça, dans la machine de fuel, pas tout. C'est tout, c'est flash drive. Vous comprenez? Alors, quand on me dit, moi-même, Zouzou l'a pas upgrade. Sauf que tout le monde upgrade. Parce que moi-même, alors, on ne peut pas le prendre somme dans tout. Zouzou l'a pas upgrade. C'est forme upgrade, même. Vous comprenez? Parce que, j'ai toujours dit, l'homme peut-être s'adapte au milieu dans lequel il vit. Oui. Parce que, faut adapter aussi, sinon on va disparaître. Sous pas adapté, on va disparaître. Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est pas parce que mon a fait un bagage qui passe ça, qui fait mal faire même bagage là, parce que lui-même, d'après lui, oui, il réussit. Non, ça l'a fait. Il va vrai, non? La réussite, c'est dans l'effort, non pas le résultat. Ouais. Hein? Donc, nous avons, en quelque sorte, un peu de temps, nous avons tout dit. Tu vois, mais moi, j'insiste et me pense que réalité, hein, c'est union. Nous besoin dans toute union de la famille, union dans toute bagaille. Beaucoup de ou quand même, mon va le divorce, c'est hein? Après bagaille, prendre des bizarres. Bon, façon, va à son autre conversation. Mon va le mon qui pas capé machine. C'est comme ça, vous nous, c'est la réalité. Ça, il commence à payer, il commence déjà. L'homme d'Ougé, plus que 5000 orchestres actuellement. Habillez Abdou, non? Si je me trompe, mais si je me trompe, mais on est que nous dit, ou quand même. Bon, c'est pourquoi que moi-même, t'as aimé, en quelque sorte, comme nous, peut-être, nous pas bien temps pour nous faire ça, mais si des musiciens qui ont gardé show, et les mouns qui t'a aimé, opinion par eux, une certaine idée, je ne sais pas si tu as la possibilité de le faire, est-ce que vous comprenez? Ou bien une idée, parce que, en réalité, c'est ça, les gens, hein. Nous n'avons pas dialogué. Nous, c'est monologue seulement nous faisons. C'est ça qui vit le pays nous-mêmes. C'est monologue, c'est pas dialogue. Voilà, dialogue. Donc, tenez, ok. Zouzoul. En conclusion de l'affaire de l'union. En conclusion de l'affaire de l'union, vous parlez de l'union des musiciens pour mettre raison, pour conscientiser. D'accord. C'est ça, de la parler là. Mais qu'on y a là. Oui. Qui est en relation avec les autres musiciens? Mais tout peut se passer là, il y a une relation très cordiale avec les frères musiciens des autres orchestres. Et où même? Bon, ça dépend sur les cordiales là, parce que c'est pourquoi, quand on te dit, ou dit tout, bon, moi-même, je pense que fort nous pas de mentir. Au moins, parce que même dans la politique, on est à bas de mentir, ou tout ça. Ça veut dire pas de ou pas quoi. Depuis c'est moi tu vois, il y a que bon quand même, parce que il y a pas quoi encore. Vous comprenez? So, à ce moment-là, c'est comment s'arranger pour réaliser quelque chose de qui a une certaine sincérité dans sa mouna dire. Vous comprenez? C'est pas les n'a pas les dit, ok, d'accord, mais les boules faites là, ils pèsent tout ton GTO. Ouais. Donc, il nous faut des musiciens conscients. Vous comprenez? Moi, je dis ça dans la musique, oui. Je dis haïtien conscient, musicien, en nous poté coller. Haïtien conscient, en nous poté coller. On m'attendait, oui. Écoutez, oui. Maman petite, c'est ma revente, nous. Ah là là. Situation, nous pas besoin de changer. Si nous pas, collaborer. Vous comprenez? Bon, ça, c'est sous. Ça, c'est sous. Projet port qui parle que le parle sorti, parce que nous, au départ, on parle de projet port là depuis des temps. Bon, la réalité,
c'est que c'est pas justement. Eh ben, mais là, on rencontre un problème très, très bagarre, Koulia. Maintenant, il n'y a plus de producteurs. Qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de producteurs. Qui m'a dit qu'il va investir 30, 40, 50 000 dollars pour vous dans bagarre? Bon. Ce qui a entraîné, en quelque sorte, des investisseurs qui ne s'y connaissent pas. Si ça sont partis, en plus le monde pas capable. Mais même comme son nègre, c'est John Calbas. Je ne peux pas aller n'importe quoi. Parce que c'est droit, je dois dire ça me voulait. Je comprends pas de là. Parce que c'est aux États-Unis, ma vie. Je dois dire ça me voulait. Mais c'est pour me limiter, bien entendu, dans ça m'a dit. Je comprends. Parce que, au cas où est que même notre président, il a posé une question de pareil, mais papa, je vais virer de la faire aussi. Je comprends. Ah ben bon. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait que la musique haïtienne n'est pas d'une façon normale et légale traverser de l'eau? Parce que tout jazz parti, ce sont des mouvements singuliers. C'est pas isolé. Voilà. Et qu'on y a voilà. Qui, par exemple, d'abord même qui ça pas fait, qui fait, est-ce que c'est distribution, est-ce que c'est une production au niveau. Bon, moi, personnellement, vous pensez que. Il y a plusieurs facettes là-dedans. Premièrement, la musique que nous avons joué nous-mêmes, nous connaissons bien plus le monde qui va d'accord avec nous. La musique que nous avons joué nous-mêmes, moi je fais full upgrade, full volo de gens. Parce que, yo légué nous, moi-même, ok, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que le monde est capable de dire pour qui ça que le problème, ce n'est pas la musique? Mais ceux qui organisent la musique. Parce que là, pour un orchestre qui jouait une musique de Jean-Baptiste, par exemple, ou une musique là, et puis millionnaire, hein? Comment faut pas qu'un millionnaire? Non, mais écoutez, vous mélangez deux balles là. Vous parlez de et marketing, vous l'avez fait avec, ou dit, faut nous upgrade, faut jouer l'autre gens, pour qu'à faire musique oui. Beaucoup plus acceptée internationalement. Mais moun sa pa, li pa ou gré de musique de moi, non? Là, pour One Wish Gera. Oui. Li pa ou gré de musique, c'est musical copié. Voilà quoi? Bon, il y a une différence. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a une différence entre copier et inspirer. Qui ça pour nous faire en général? En général, quand on me dit, ou faire que ce deal encore, sont restructurés pour nous restructurer, ça nous est l'échemal. Vous comprenez? Parce que, là, regardez, n'importe où une station radio, vous dire. Mon nom de Gandoua, son machin de viande, et puis là, vous notre, la bonne musique. C'est pas que machin de viande dans un mauvais bail, non? Mais, vous faites pour travail dans un bagage qu'on connaît. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis capable de montrer un champ pour moi pour nettoyer un soulier? Pas capable. Parce que Chanlan lui-même, il y a et pourquoi il y a des pau, il y a une fois que le gars là. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, moi, c'est pour. Nous avons un problème tout là, Kaïno. Dès que vous dites, ignorant, pensez que vous dites, il n'y a pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Ce n'est pas vrai. Et bon, exemple, on change. Il n'y a pas qu'on est. Il n'y a pas de sujet que je vais parler. Il n'y a pas de certains sujets. Il n'y a pas d'expertise. Donc, si vous n'avez pas d'expertise là-dedans, si ce n'est pas tout, qu'on ne veut pas te. Employé au monde, c'est même un nègre qui. Vous comptez combien de restaurants il y a ici à Miami? Ça, on le connaît bien parce que tu étais à l'avant-garde dans le restaurant. Non, ça, c'est Pantal et Kirby. Pantal et Kirby. Ah bon, pour le cœur, bisous. Donc, c'est bien. Donc, la réalité, comme je te dis, c'est pour un bagage qui vous fait très simple, mais sans égoïsme. Parce que égoïsme est terrible. Maintenant, il n'y a pas de bagage. L'homme n'a pas égoïsme. Il n'y a pas qu'à faire rien tout, non? Parce que tout le bagage, c'est lui. Comment? L'égoïsme, il ne peut pas partager un lui avec l'autre. Donc, c'est là que peut-être que, laisse-moi te donner un exemple simple. Quelqu'un comme Dadou,
ou jouer un contrat pour un orchestre, pas vrai? Mais si son booking est saint oui, ou obligé de toucher. Parce que booking est saint, mec chou pour toucher. Vous comprenez? Mec chou toucher, puisque c'est lié tout en question. Sous papier, ou abjas, si son acte bourré, ou pas besoin de faire avec lui, quoi. Parce que pas besoin de mourir aucun orchestre. Ça, c'est un exemple comme ça. C'est même genre, on mettait un orchestre. Un orchestre, pour jouer dans un orchestre, il faut garder tout le bagaille honnête. Ou voyager au parti. Au parti, clairement. Qui est au et tout. Qui soit rangé. Mais, quoi, Mounio, même dans l'équipe football, ouais, Brésil a voyagé, il y a un coupe, États-Unis, il y a un coupe, il y a tout le bagaille. Donc, chaque monde fait métier, il faut qu'on ait. On connaît. Mais, si nous tous nous pas entendre nous pousser comme ça pour nous traiter nous, il y a toujours traité nous mal. Donc, les gars font mauvaise expérience. C'est même, mais on met sur, par exemple, je l'enquête actuellement, à voyager. On met sur, on ne peut pas toucher nous. Vous comprenez? On ne peut pas citer non, mais on ne peut pas toucher. Oui, 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 malheureusement. Toucher. Malheureusement. En tout cas, Zouzoul, si nous faisons. On tire le cap cousu anglais à le bayo. Vous soulevez de très bons points. Et il faut nous structurer. Il faut chaque rôle bien défini. Il faut qu'on manager, voilà, faut voilà. Qu'on distributeur, faut qu'on producteur. Et puis, à part de talent, yo, que le musicien cap fait. Et puis, là, avec l'union sentimentale et union scientifique, nous supposons que grand espoir nous a amélioré. Ça, le HM, la Asian Music Industry. Ben, comme ça, ce sont de très bons points. Toujours, en finalement, seul, ben, Mamando. Et, moi-même, moi, j'ai un petit peu de musique. Moi, j'ai un petit peu qui est ingénieur de son. Et, qu'à l'école, où étudie ingénieur de son, tout, même. Mais, oui. Qui sont, ouais, là, genre de business, ça, yo, pour petit tout, t'as entré dans le business musique, là? Bon, dans le milieu, peut-être. Ou à boire l'alfel, mais l'alfel dans le milieu américain. On ne peut pas mettre connaissance parce que, il y a trop. Bon, je ne vais pas dire ça, il y a trop magouille dans le business, pardon. Mais écoute, mais si c'est bon à l'étranger pour l'alfel, doit-on appeler ça, doit-on appeler l'abandon d'une culture? Parce que Pissit Pau qui est censé continuer le legacy, comme on dit en anglais. Et si vous ne pas recommander pour le faire, pour Haïtien, donc ça veut dire que depuis là, nous avons une rupture d'une façon flagrante entre nous-mêmes, génération par la génération, deuxième et troisième génération par nous. Vous voulez bien avoir? D'accord. Donc cela veut dire que, la diaspora est une Haïti séparée et indépendante. Voilà. Et donc, nous sommes tous une synthèse. C'est là nous, il a nous fonctionné. Il a nous. Ça veut dire que Zouzoul, je m'abdou, merci et puis tout. Un mot positif pour la musique haïtienne, pour les parents et musiciens, pour tout, pour le passer au connaît. Et bon. Les parents, gagnons différence. Entre parents américains ou United States qui vivent aux États-Unis, avec vos parents en Haïti. Ok? Tandis que, c'est pas une bague à la même époque par nous, c'est une autre époque. Époque chaque là, nous devons penser à nos jeunes. Et c'est justement, c'est, nous sommes là, c'est quand combien d'eau, c'est professeur, même gens, un nègre qui a fait mécanique en Haïti. Il a une connaissance empirique de la chose. Mais pas qu'on aime. Un nègre qui a mixé actuellement. Ça ne veut dire qu'il n'est pas bon, non? Parce que même au point de vue musique, on joue une majorité des musiciens, ce sont des autodidactes. C'est eux-mêmes qui apprennent beaucoup de choses. Ça ne veut dire pas bon, non? Mais, par exemple, ok. Si par exemple, mon orchestre partit, et puis, mon artiste étranger qui vient, il paraît être partitionné, il dit, mais jouez ça à moi. Est-ce que vous êtes capable de citer combien d'orchestres haïtiens qui ont fait ça?
Malheureusement pas. Ah, mais si yo gagne Haïtien joue musique, il gagne don, c'est don il gagne qui fait il joue parce que whatever gouvernement t'es pas ça avant whatever. Pas jamais un conservatoire en Haïti. Bon, bon comment on fait? Pas un conservatoire, pas rien. Bon, on a pensé avec l'école Sainte-Trinité. Oui. Vous comprenez? Côté ça, on a des côtés, mais c'est plutôt des secteur privé qui organise. Vous comprenez? Oui. Mais je et si, par exemple, on prend un orchestre, on prend par exemple, premier bagage pour nous t'a gagné, même si nous, par exemple, on succursale de la SACEM en Haïti. C'est pas qu'on nous protéger lui-même. Ouais, moi, je vais dire, mais en tout cas, je vais rappeler mon yo que ASCAP, BMI et SACEM, ce sont les compagnies qui là, qui pour protéger les œuvres que, de que monde qui est original le formé, ben, comme ça, et ça fait que le SACEM, c'est la société des auteurs, des compositeurs et auteurs de musique. So, sur cette note positive, c'est définitivement, nous prenons ça comme une dernière recommandation que nous avons besoin pour musique haïtienne, hein. Pour musicien, t'as, académiser tête et la musique ou bien une forme quelconque parce que peut-être les musiciens sont des ambassadeurs, les partis, pour être capable d'exprimer tête ou long langue quelconque. Et voilà, deuxièmement, ouais. Pour être capable de jouer musique là qui va musique en espoir d'avancement, si par exemple là, ils connaissent scientifiquement, c'est pas groove seulement, et qui sait que musique là, côté qu'il avancer, côté qu'il prend d'autres tendances et puis mettre la donne. J'ai l'impression que c'est une recommandation qui est plus importante qu'au bail là. Et puis, Zouzou, m'a connu et mon cher. Mon cher, de toute façon, moi, de toute façon, toujours à ton service. Bon, bien oui. Entendu, il y a des points que je me fais pas. Car ici, il y a des gens qui pensent que ça me dit pas bon, ou bien que nous sommes capables d'entendre nous le. Moi-même, d'ailleurs, même un jour, moi-même, c'est ça qui a fait un plaisir. Vous comprenez? Et moi, j'ai fait un plaisir en pile. C'est hier, ça arrivait, moi. Mon cher, je parle avec Ancito Merci. Vous comprenez? Mais, femme de Ancito, c'est quand vous êtes président de l'Assemblée. Vous comprenez ça, ma hein? Bon, c'est ça qui peut être reculé un petit peu le travail que nous avons fait moi-même, non? Vous comprenez? C'est pas pour l'amour. Ouais, l'amour, je toujours insister sur lui. L'amour, quel est l'église, côté n'importe quoi. Dès qu'on ne parle pas de l'amour là-dedans, là, tout est bien, non? Vous comprenez? Parce que majorité n'est que ça font bagaille. Si c'est dans la politique, mon cher, autant que je m'y mette. Si c'est musique, mon cher, autant qu'il y a tête bagaille. Et puis, mon cher Gandhi, il t'a dit, hein, la démocratie, c'est la plus belle chose au monde. Mm-hmm. Tout le monde d'accord? Même mm-hmm. J'ai dit, mais, une démocratie entachée d'ignorance et de superstition finit par se détruire elle-même. Donc, moi-même, côté positif que nous prenons par la pandémie, ça, mon cher, c'est après, ma pas après toujours. Je n'ai pas besoin qu'on connaisse que c'est dans le computer, que c'est lecture. Et le tout, c'est de ne pas lire, c'est de comprendre ce que vous avez lu. On continue d'accord avec vous. Oh, ça vous semble. Zouzou, n'a pas obligé de rester. Mon cher, regardez, écoute, participation extraordinaire, on n'a pas obligé. Sur cette note philosophique et positive, n'a pas obligé. Et Djoulou, merci beaucoup. Donc, non, mais définitivement. Encore. Non, mais. Ma ba téléphone, nous, téléphone, moi, téléphone de. Et j'en ai dit, c'est meilleur de Spiral. Ou WhatsApp, question ou commentaire. Voilà. Si vous avez besoin un commentaire, fais un commentaire pour ou une question. Pour Zouzou, il a fait 786-443-3598. Je vais vous répéter. Pour Zouzou, 786-443-3598. En général, Radio Téléspiral 407-921-9851. 407-921-9851. Pour les opinions, à Rosla, moi-même, 786-316-4518. Posez question, bah, commentaire, il n'a toujours répondre moulin WhatsApp pour le cap joindre satisfaction à la réponse que le besoin. Donc, sur cette note,
bon, instructif pour nous, bah, mon information. Et puis, Zouzou, je te remercie encore une fois. Et puis, bon. Bon, c'est à moi de te remercier parce que je pense que nous supposons, bon, on va ordonner mon cap faire radio, mais télévision, mais faut nous moi-même, en réalité, ça sont l'autre partie encore. Ouais. Je ne pas l'obliger à apprendre. Pas apprendre, mais essayer de comprendre. Essayer comment on va faire de notre mieux. En tout cas, Zouzou, et à la prochaine. Et puis, bon, encore une fois, au nom des téléspectateurs de Télécajou US et au nom de Cajou TV, Radio Téléspiral, on te dit merci et bonsoir. Moi, personnellement, je te vais demander une question, même pas qu'on soit capable de répondre. C'est qui le PNP a joué? Bon, mais, et après la pandémie. Après la pandémie. Premier monde qui connaissait et audience ça, parce que nous avons un groupe ensemble. Donc, nous avons trois numéros de téléphone là, correctement, qui avions toute information que besoin. Donc, ciao, ciao, Zouzou. Bon, ok. De toute façon, moi, toujours à votre disposition. Okay. N'importe quoi. C'est ça. Pas un problème. Merci aux téléspectateurs. Merci. Avec plaisir. Merci tout le monde et à bientôt. Bye bye. Ok.
Thank you.